Bonjour à tous et bienvenue sur Usability. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à The Sword sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5 qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Il est doté d'un punch avec des améliorations de performance méga et il a des performances plus rapides que tout autre appareil Android haut de gamme ou que toute autre plateforme Android. Plateforme Android, nous pourrons facilement télécharger et installer The Sword et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à The Sword. Alors sans plus attendre, passons à l'action. Pour commencer, les amis, la toute première action à effectuer est de lancer notre navigateur Internet habituel. Nous avons à l'écran celui que nous utilisons le plus. Rendons-nous à l'URL suivante que je mets en surbrillance avec du vert. Vous la voyez sur mon écran. Vous n'aurez pas besoin de saisir quoi que ce soit, parce qu'il y a vous avez un lien cliquable dans la description sous cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Nous arrivons maintenant ici sur le site internet de Usability, où nous pouvons découvrir une présentation complète sur la façon de démarrer le téléchargement de The Sword sur votre PC portable ou de bureau. Nous descendons un peu et double-cliquons sur l'option « Télécharger BlueStacks ». Après avoir cliqué sur ce lien cliquable, nous atterrissons là sur le site web de BlueStacks qui est bien entendu l'émulateur Android que dont nous allons nous servir pour lancer à The Sword sur notre ordinateur Windows. Comme vous devriez le remarquer ici, l'utilisation de l'émulateur apporte de nombreux avantages, contrôle personnalisable, instances multiples, synchronisation de toutes les instances, macro, script, FPS plus élevé, et bien plus encore. Il est temps de procéder au téléchargement de The Sword en cliquant ou double-cliquant sur ce bouton jouer sur BlueStacks que j'ai surligné avec du vert. Nous cliquons ou double-cliquons après sur ce bouton de téléchargement. À ce stade, le téléchargement démarre et s'achève aussitôt voilà, notre téléchargement s'est achevé avec succès. Il s'agit d'un fichier exécutable. Notre prochaine étape est de lancer l'installateur, par conséquent nous allons cliquer sur ce fichier à exécuter. Si nous avons un ordinateur sous Windows 10, il nous sera demandé l'autorisation d'apporter des changements à l'appareil. Nous sommes d'accord donc nous donnons la permission. Je réduis le navigateur pour bien mieux accéder à l'installateur. Ce programme d'install est très sommaire. Il se compose de deux possibilités, installer et configurer le chemin. Je vous explique à quoi sert configurer le chemin. Il vous de faire un clic gauche dessus. Et à partir de là nous voyons que nous pouvons regarder ici le chemin exact où notre émulateur sera situé après son installation. Si nous souhaitons modifier ce répertoire, il nous faut cliquer ou double-cliquer sur ce bouton, sélectionner le chemin, après nous optons pour un autre répertoire et installons l'émulateur où nous voulons. Je conserve l'emplacement par défaut. Je clique une ou deux fois sur retour. Ensuite, je clique sur installer. Nous y voilà, c'est fait. Cette install a commencé ensuite elle va effectuer le téléchargement de CMOS que vous pouvez voir à l'écran. Au moment où vous le téléchargerez, il y aura plus ou moins de mégaoctets, c'est normal. La vitesse pour le téléchargement peut être plus ou moins rapide, en fonction de la qualité de Internet et de la vitesse des serveurs de notre émulateur. Maintenant, c'est super rapide. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode Echo pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. À présent, l'émulateur s'est lancé de lui-même. Si vous regardez attentivement, dans le bas de mon écran, on peut voir la barre de progression qui va avancer pour se remplir ainsi quand elle sera arrivée à la fin, l'émulateur se lancera pour la toute première fois. Dans les faits, l'émulateur s'est déjà lancé, le voilà pour la première fois. Avant même de continuer, comme vous l'avez noté, il a généré deux icônes là sur le bureau de ma machine de test. Le BlueStacks ainsi que le BlueStacks Multi-Instance. Notez que l'icône BlueStacks est la seule qui nous concerne. À chaque fois que nous souhaiterons lancer The Sword sur notre PC portable ou de bureau, nous double-cliquerons sur cette icône et lancerons l'émulateur Android. L'icône BlueStacks Multi-Instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs.
Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode éco, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Il est grand temps à l'étape suivante, qui sera indispensable, je veux parler de l'accès au Google Play anciennement Android Market. Puis nous allons cliquer gauche sur Google Play Store. Comme vous l'avez remarqué, le Google Play Store anciennement appelé Android Market s'est lancé. À ce stade, nous devrons nous identifier. Dès lors que nous sommes à cet endroit, nous sommes tenus de faire la prochaine phase qui se trouve être inévitable. Par conséquent, nous cliquons sur Connexion. Désormais, il indique Checking Info. Il arrive certaines fois que ça reste bloqué sur cette étape et donc que cela n'avance plus. Si vous êtes confronté à ce blocage, vous pouvez essayer de vous connecter à nouveau dans 2 ou 3 heures, ainsi le souci sera probablement réglé. Désormais, nous allons saisir notre adresse mail puis son mot de passe. Cette adresse mail sera obligatoirement un email Gmail ainsi que le mot de passe qui lui correspond. À titre d'exemple, vous pouvez vous servir de la même adresse électronique que celle que vous utilisez aujourd'hui pour votre compte YouTube. Aussi, je vais par conséquent taper mes emails et mots de passe et je reviendrai ici dès que je l'aurai fait. Ça y est, les données ont été tapées. Désormais le géant Google nous reçoit dans son célèbre magasin d'applications et nous invite à lire les conditions d'utilisation. Nous sommes OK pour donner notre accord en cliquant avec la souris sur l'option « J'accepte ». Après, il nous invite à sauvegarder sur le cloud. Vous pouvez si vous le souhaitez laisser la petite case cochée aussi, cela créera une copie de sauvegarde des données de cet appareil générée par l'émulateur dans Google Drive, le cloud Google. En ce qui me concerne, je ne vais pas la cocher, mais faites comme vous voulez. On clique une ou deux fois juste sur « J'accepte ». Google Play anciennement nommé Android Market est démarré par défaut et sans intervention de notre part. Afin d'installer ce jeu, il nous faut aller sur le bureau de cet émulateur pour Android en cliquant gauche sur l'icône mise en évidence avec du vert. Maintenant que nous sommes sur le bureau de notre émulateur Android, nous découvrons que nous avons à notre disposition ce bouton Installer le jeu. Nous cliquons gauche sur ce bouton visible à l'écran. À l'écran, nous avons notre jeu. Donc double-cliquons là sur ce bouton « Installer » que je mets maintenant avec du vert. À ce moment précis l'installation est sur le point de démarrer. Désormais, notre émulateur Android va récupérer l'application de jeu et procéder à l'installation du jeu. Cela peut être long ou au contraire être terriblement rapide. Ceci est en fonction de la qualité de notre connexion Internet. L'install est déjà terminé. Tout de suite, allons sur le bureau de notre émulateur Android en cliquant une ou deux fois sur ce bouton que je mets en évidence avec du vert, dans le but de lancer The Sword pour la toute première fois. Nous arrivons déjà sur le bureau de notre émulateur Android, et nous nous apprêtons à double-cliquer sur la nouvelle icône de l'app The Sword qui a été générée. Ce jeu est lancé pour la toute première fois. C'est top, je peux double-cliquer où je veux sur cet écran mais également aussi utiliser le clavier. Je vous fais une petite visite du volume de notre émulateur Android. C'est ici même. Nous disposons de l'icône d'augmentation du volume et l'icône d'un volume plus bas, ainsi nous ne dépendrons pas du volume de notre ordinateur sous Windows pour monter le son ou mettre en sourdine l'audio de l'émulateur pour Android. Et là pour profiter au maximum de l'expérience de jeu, nous avons la possibilité de basculer le jeu sur notre moniteur externe ou écran d'ordinateur. Pour y arriver nous avons deux possibilités. Je vous présente la première occasion où nous double-cliquons sur l'icône que je vous mets en évidence avec du vert. À cette étape maximisons cet écran, en laissant une bordure en haut, une à droite et une tout en bas. Si on veut lancer ce jeu ou une toute autre appli Android en plein écran, on peut cliquer sur l'icône que vous voyez à l'écran. Et en partant de là nous serions déjà en train de profiter du jeu en mode plein écran. En revanche, pour revenir en écran normal, pressez simplement sur la touche F11. Alors nous serions retournés, sans surprise, en mode écran habituel. À ce stade du tutoriel, je voudrais vous montrer le mapping du clavier qui est vraiment très utile à comprendre. De cette manière, nous pourrons nous servir du jeu encore plus commodément. La première action à réaliser consiste à cliquer avec notre souris sur notre icône de clavier. Et ici, vous pourrez réaliser les réglages indispensables. En ce qui me concerne, je vais aller à l'essentiel en conservant la configuration de base, mais si vous souhaitez la remplacer par une autre, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire sans aucun problème. Comme vous l'avez sans aucun doute remarqué, notre émulateur Android est complètement disponible dans notre langue. Pourtant, il se peut de temps à autre que l'émulateur soit démarré dans une toute autre langue, comme par exemple en allemand.
À cette étape, pour le mettre dans notre langue, nous venons ici même sur la célèbre roue dentée. Puis ici, dans Autres paramètres, nous cliquons sur le menu déroulant « Langue ». Nous devons bien entendu sélectionner la langue que nous utilisons habituellement, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue modifiée, c'est le moment de sauvegarder, l'émulateur relance ainsi notre jeu, la toute prochaine fois que nous le démarrerons, sera aussi dans la langue sélectionnée. À partir de maintenant, il y a un point de plus dont nous devons aussi tenir compte, je veux parler du fait que nous recevrons un My Email nous informant qu'un nouvel appareil a été connecté à notre compte Google. Ce mail voudra savoir si nous sommes au courant qu'il y a eu cette connexion de l'appareil. Bien entendu, c'est le cas, pas la peine de stresser, parce que l'émulateur Android émule un appareil Android. Et pour découvrir quel appareil a été émulé, retournons là, à la célèbre roue dentée et cliquons gauche dessus. Rendons-nous ici à l'option « Modèle ». Nous savons désormais que cet émulateur pour Android simule un smartphone de la marque Samsung. Aussi nous allons recevoir un mail indiquant qu'un nouvel appareil de la marque Samsung est connecté à notre compte Google. C'est terminé pour ce tutoriel mes chers amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et plus encore qu'il vous aura été précieux. Si c'est le cas, donnez-lui un bon « like », abonnez-vous, et si vous souhaitez laisser un commentaire, des questions à me poser ou bien des suggestions à faire, n'hésitez pas à les déposer dans la boîte de commentaires ci-dessous. Vous pouvez également commenter des choses sur ma chaîne Twitch, je réalise des live streams de temps en temps, vous l'avez en dessous dans la description de ce tuto et dans le tout premier commentaire permanent. Cliquez ou double-cliquez sur l'une de ces vidéos qui s'affiche sur l'écran et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao!